tous, donc aujourd'hui on se retrouve, je vais vous faire cette petite vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé donc chez Ongle Access. C'est parti. Donc là, je vais vous quand même avec vous. Donc on a le magazine, comme à chaque fois, avec toutes les astuces à l'intérieur. Donc j'avais un petit parfum qu'ils m'ont offert, mais je l'ai déjà mis dans ma voiture, j'étais pressée de le mettre. Donc on a les conseils, bon ça c'est ma facture, hop, bon, les polystyrènes, c'est pas très intéressant. Alors on va commencer par quoi? Donc ça c'est une huile à cuticule, donc noix de coco. Hop. Donc celui-ci c'est un 5 ml, donc j'en ai acheté plusieurs, je voulais tester les autres, j'avais déjà la blackberry, oh, ça sent super bon. Hop. Ensuite, hop. Encore une autre huile à cuticule, donc celui-ci c'est tropical. Hop, je vais bouger un peu la caméra. Ça sent trop bon, ça sent le fruit de la passion, la papaye. Donc là c'est un Catalyse, donc Tiger. Donc c'est un catalyse un peu marron orangé. Le Lynx, il me semble que c'est un rose. Je vais vous les montrer de toute façon après. Féline. Ou alors c'est le Féline qui est rose et l'autre il doit être violet, je ne sais plus. Hop. Alors celui-ci, j'avais hâte de le recevoir, donc on m'a pas mal parlé de celui-ci, donc l'huile à cuticule bubblegum, on m'a dit qu'il sentait super bon. Oh, ça sent trop bon, ça sent vraiment le bubblegum. Donc mes clientes, elles vont être super contentes. Alors, donc ça, c'est le vernis calcium protection. Donc, quand on fait une dépose ou qu'on veut faire des soins d'ongles en attendant d'arrêter le gel, donc on utilise ceci. Donc, je vais tester ça. Hop. Donc, la structure à base clear, donc c'est la base pour gel ou même pour semi-permanent que j'utilise assez couramment aussi pour mes poses de semi-permanent. J'ai déjà testé, donc j'en suis très très satisfaite. Et celle-ci, donc c'est la glitter, je sais pas si vous voyez, la glitter peach cover. Donc celle-ci elle est toute nouvelle, donc je vais pas l'ouvrir ici parce que j'ai le soleil qui vient de sortir, donc on va éviter de faire des bêtises. Je l'ouvrirai après. Donc là, ce sont des couleurs. Donc, c'est la collection La Vie en Rose de chez Ongle Access. Donc, je vais vous les montrer après. On va les ouvrir ensemble. Parce que j'en ai commandé tellement, je ne sais plus. Le Gold Sky. Donc là, c'est de la collection Golden Effect. Donc il me semble que c'est les paillettes or que j'ai pris.
Donc toujours dans la collection Gold Color, donc le Move Up. J'ai acheté aussi des petits strips. Donc ils sont super beaux. Donc là, celui-ci, j'ai acheté en effet glitter argenté. Il est super joli. Je sais pas si vous arrivez à voir les paillettes. Attendez que ça fasse la mise au point. Il est super beau, joli. Donc celui-ci en argent, je l'ai pris le même en or. Donc pareil. Hop. Ça, j'attendais avec impatience de tester et de faire les bijoux d'ongles. Donc je l'ai pris en plusieurs coloris. Donc ça, à peu près pour les faire les poses glamour, même pour la Saint-Valentin, pour les fêtes, super jolies en rouge et or comme ça. J'ai pris des feuilles d'or. Donc j'ai vu qu'on pouvait... On peut faire des nail art justement en incrustation et ça m'intéressait quand même. Donc toujours les petits box. Donc celui-ci c'est en bleu et donc Aurora. Donc c'est très joli aussi. Pareil, hein, pour faire les petits bijoux, il y a un peu de tout. Il y a des genres de. Il y a des petites étoiles, triangles, des ovales, des ronds. Et des petites croix aussi. Plutôt pas mal. Et là pareil, donc pour créer des bijoux d'ongles, donc là il n'y a pas de petit stress, je crois pas. Il y a quelques microbilles. Donc à tester. Est-ce qu'on arrive au bout? On va faire quelque chose. Ah, les pinceaux. Donc les fameux pinceaux. Donc j'en ai recommandé parce que les miens ils commencent un peu à faire un peu la tête. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je recommande. Donc, pareil, je vous les montre. Donc là c'est un simple. Là c'est la collection Gold, le rose gold. Donc le oval brush. Donc pour faire le gel en numéro 4. C'est ce que j'utilise. J'adore le design, c'est super joli. Et encore la collection Midnight, j'en ai déjà acheté un pour le nail art, donc j'ai le numéro 2. Donc celui-ci, je ne sais plus en quelle taille que je l'ai commandé. Donc celui-ci, c'est un oval brush un numéro 6, donc un peu plus gros que le Gold Rose. Ça va être indispensable quand on travaille. Attendez, je crois qu'il n'y a plus rien, mais des fois je commande tellement, je ne sais plus ce que j'ai. Non, apparemment, il n'y a plus rien. Hop. Donc ça, c'est obligatoire, surtout en cette période avec le Covid. On reste protégé. Waouh, il est trop canon. Donc là, hein, c'est directement intégré en fait. Il est super. Il est trop joli. Je suis trop contente. Donc ça me fera mon troisième. Hein. C'est le troisième que j'achète chez eux. Mais pas de cette. J'ai acheté un violet, j'ai acheté l'effet tête de mort et donc celui-ci. Donc je vous montre tout de suite les couleurs. Heureux, c'est temps pour moi. Donc j'ai oublié de vous montrer. Donc j'avais ça aussi dans le fond. Donc c'est un stripping. Hop. Donc je vais le sortir.
Donc celui-ci, c'est le Caméléon. Donc Stripping Take, c'est le Kiss Me. Donc il est super joli, je sais pas si je vais arriver à le faire. En fait, il a plusieurs couleurs. Donc je l'ai pris en tout tout fin. Donc pour faire les nail art, c'est super. Allez, fais la mise au point. Ça se verra peut-être mieux. On voit un petit peu là. Bon, bref, passons. Donc, je vais vous montrer les couleurs. Donc, de toute façon, tout ce que j'ai là, je vous montre. Je les mettrai en barre de description. Donc, comme ça, vous pourrez tous voir. Donc, là, c'est le ombre brush. Donc, c'est pour faire les dégradés de couleurs en semi-permanent. Donc, j'en avais déjà un, mais il est un peu vieux. Donc, du coup, j'en ai racheté un autre. Hop. Donc celui-ci c'est un ovale, donc taille numéro 6. Donc les poils ils sont top, hein. C'est du synthétique, donc sont cruelty free, donc c'est pas des poils d'animaux, c'est du synthétique. Hop. J'adore cette collection-là. Et ça c'est la toute première fois que je l'utilise, mais ils sont super beaux, franchement il est magnifique comme pinceau. Donc la même chose, hein. Donc en numéro 4. Hop. Donc là, on a les box. Donc là, c'est les flat gold mixte. Donc j'ai celui-ci. D'ailleurs, je n'ai pas le métallique silver. Comment ça se fait? Il en manque un. Bizarre, bizarre. Il va falloir que je regarde dans la boîte parce que. Donc j'ai le. Celui-ci c'est le Jewelry Box. Donc Queen of the Sea Mix. Donc hop, avec les cœurs rouges. Jewelry Box London Street Mix. Donc celui-ci donc c'est le bleu avec des effets un peu aurora dessus. Donc on a des microbilles, donc de genre de pixie. Hop. Là, on va découvrir donc le gel color Movie Up. Je ne sais plus à quoi il ressemble. J'en ai vu tellement qui me plaisaient. Waouh. Oh, regardez-moi ça. Il est magnifique. Ça fait un bleu nuit irisé en fait. Il est super beau. Hop. Donc j'ai fermé le volet. Hein. Je vais pas risquer de bousiller mes produits. Donc là, c'est le Sweet Dream. Hop. Il me semble que c'est un rose avec des paillettes pareil, donc irisé. Donc très joli, ça pour même pour les mariages ou même pour les soirées, c'est très joli, très girly. Je m'en suis bien fait partout. Je fais la cochonne comme à mon habitude. Hop. Et là, donc, c'est le Gold Sky. Là. Donc, il me semble que c'est les paillettes or. Ah non, même pas. C'est même pas les paillettes or. Je les ai pas commandées. Oh, il est beau aussi celui-là. Mon Dieu. Ça fait un bleu avec un reflet or. Il est canon. Magnifique. Sont tous beaux en général. Je suis pas déçue des couleurs. Ils sont bien pigmentés en plus. Alors donc, on va regarder le Cat Eyes Lynx. Hop. Donc celui-ci.
Donc c'est un rose. Donc il est, voyez, il est un peu, il est violet rose. Je ne sais pas si on va arriver à voir sur le reflet. Ah, c'est dommage, ça rend pas. On voit un tout petit peu là. Donc c'est un violet rose. Donc le Tiger, normalement que je dise pas de bêtises, ça doit être le marron orangé. Il tire un peu plus vers le vert en fait. Il y a des côtés. Par moment ça fait orange. J'ai hâte de les tester. Et donc là, le féline. Oh, les canons. La mise au point a du mal à se faire. Pénible. Vous voyez ce reflet, c'est magnifique. Et moi, je suis folle des paillettes. Donc, on va découvrir en même temps la structure à base, donc Glitter Peach Pêche Cover. Donc, celle-ci, je ne l'ai jamais commandée, c'est la première fois. Oh, il est trop beau. Il y a des paillettes fines à l'intérieur. Trop canon. J'ai mes clientes qui vont adorer. Celle qui veut du naturel, avec un petit peu de paillettes. Donc là, bah ça c'est les feuilles d'or. Mais c'est bizarre. Je vais regarder quand même pour la box Metallic Silver. Ça me paraît bizarre. Donc bon, j'ai regardé encore dans le carton, je ne trouve pas. Donc j'ai une petite box comme ça, mais en argent, donc le Metallic Silver Mix que je n'ai pas. Donc il va falloir que je contacte Ongle Access. Donc c'est pas grave, hein, ça arrive. Avec celui qui ne travaille pas, qui n'arrive rien. Donc les erreurs, c'est normal, ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Donc, vu qu'ils sont très professionnels, il n'y a pas de souci, je sais très bien qu'ils vont regarder le souci qu'il y a eu au moment de la préparation de commande. Donc, voilà. Voilà. Donc, la petite vidéo est terminée. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, je vous mets tout ce qu'on a vu en barre de description. Donc, si jamais vous avez des questions. Sur certains produits que j'ai achetés, il n'y a pas de problème. Je vous dirai, je vais les tester, je vous dirai ce que j'en pense. Donc, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!